Le Népal à petits pas. Marcher à travers ce pays fascinant accroché à l'Himalaya, rompre avec notre quotidien, prendre le temps de découvrir les montagnes et ses habitants, voilà nos objectifs pour les mois à venir. Avec Émilie, ma compagne, on a décidé de partir au Népal parce qu'elle est fan de la culture tibétaine et la majorité des Tibétains sont exilés au Népal. La meilleure façon de découvrir un pays et sa population, pour moi, c'est de voyager à pied. Du coup, on a décidé de suivre un chemin, le Great Himalayan Trail. Notre chemin, le Great Himalayan Trail, traverse d'est en ouest le Népal en slalomant entre les plus grands sommets. Difficile de parcourir cet itinéraire en une saison. Nous nous concentrerons sur la partie centrale, traversant la jungle du Langtang, les villages authentiques Tamang du Ganesh Himal, les hauts cols des Annapurna, et enfin les terres oubliées du Dolpo.